Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du donjon de Nullbuck. Je voulais faire un petit tour par le pharmacien avant de descendre à la cave. Parce que n'oublions pas que j'ai quand même une elfe qui a pris une caisse. Hein. Oh, y a une porte que je peux péter. Ah non, ça va être en pierre, ils vont pas vouloir que je le défonce. Ça coûte une blinde. Alors. C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or. Les bandages améliorés, c'est quoi? Permet de guérir deux blessures sur soi-même ou un allié. Ouais. Et rend tous les points de vie. Est-ce que je me ruinerai pas pour en acheter 10 quoi? En même temps, j'ai que ça. J'espère que ce sera un investissement utile. Si on a peut-être des trucs à vendre, genre on a une casserole douteuse. Cross vermoulu. Ben, je me suis déjà remboursé quoi. Un parchemin porno. Bien sûr. L'excellent parchemin porno, n'oublions. Et l'espadon correct de dérouillage qui est nul en fait. Hein. Voilà. Donc en fait, on a même gagné des thunes. Parfait, c'est bien. Ce qui serait bien aussi, c'est que je les mette sur les gens. Mais ouais, y a quoi d'équipé? Parce que j'étais étonné de me dire qu'en combat. On avait pas de. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. C'est ça, on n'avait pas de popo. Est-ce qu'on peut soigner la. De soins. Ah, on aurait peut-être pu juste lui acheter un bandage de base aussi. On va lui acheter ça. Donc toi t'as un jambon. Donc toi le jambon ça donne de la vie je crois, mais on régène. On prend de vie par tour, plus de la résine. C'est le foutoir là-dedans. Toi t'as plus rien. Ah. Est-ce qu'on peut bourrer des saucisses dans les gens? Moi ça m'abuse un peu, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne sais pas. On va garder les jambons pour notre ogre. Ah, c'est intéressant d'avoir une petite grenade là, comme ça. Allez, vas-y. C'est quoi, équipe-nous une petite grenade. Toi, t'as ton jambon. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Toi, t'as plus rien. On va te mettre une potion de soin classique sur ton emplacement 2. Si ça sent, c'est mes bottes. Barbare, tu vas justement prendre une saucisse. Ah non, pas mes poches. Ah bah toi tu vas prendre une saucisse aussi, mais parce que toi on s'en fout. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Et toi aussi tu prends une saucisse, voilà, on a équipé l'équipe en saucisse. J'ai pas mis une seule trousse de soin à qui que ce soit. Tu vas te faire one shot, c'est chiant. C'est chiant, tu vas te faire one shot. Pour les écureuils. C'est quoi, t'es une healeuse toi aussi finalement, quelque part. Et l'avantage c'est que tu joues un peu plus à distance, que j'ai pas besoin de te coller à l'ogre. Ok, je vais chercher un bandage vite fait pour notre gros là. Pour avoir un bandage pour un gros. Ou même plusieurs bandages. Voilà, je pense que ce qui coûte cher dans la vie, c'est d'avoir des bandages. L'argent doit circuler. J'aurais peut-être dû prendre la prêtresse. J'aurais peut-être pas dû vous écouter, YouTube. Vous qui avez refusé de voter, qui m'avez mis dans la sauce. J'aurais pu avoir un perso de plus, genre un healer. La taverne ou la cave? Ah oui, c'est la sasson, on peut tout choisir. Let's go. Cette parodie de métal hurlant, incroyable. Et d'une pochette de métal, bien sûr. Donc la touche chiante, c'était tab, ouais. Je peux agrandir ma map là, vite fait. On peut la dézoom un peu. Ok, admettons. On va la dézoomer. Normalement, de mémoire, j'avais plutôt bien troussé. J'avais plutôt bien troussé l'endroit. On va tout prendre. Moult Pinaros. J'aime pas voir où est-ce que je vais faire en fait. Enfin, bref. On prend tout. Là,
révèle pas les trucs secrets, toi. Pardon. Ah. Certes. Alors. J'ai une proposition que je qualifierais d'historique. J'ai une proposition qui est de dire, j'ai oublié de soigner le troll, l'ogre, j'ignore les gens, j'ignore tout le monde, je laisse juste un volant ici, j'ignore l'existence du monde entier, s'il te plaît, et je ferais pas mieux de mettre mon ogre ici, une petite magicienne par là. L'elfe. Dans le bon sens, ma fille, quand même. S'il te plaît. Et mon Rango. Et en fait, je vais d'abord poutrer ces trois qui sont dans mon bac. Et après, on verra. Ah, mais ils jouent tous. À l'enfer. Ils jouent tous après mon Ranger. J'aime pas trop les rats. Oh, l'enfer. C'est pas mignon et ça sent comme le nain. Oh, l'enfer. Ah, vas-y. Hein. Bouclier! C'était, je devine, la pire idée du monde. Tac, tac. Ah, il joue pas tout de suite en plus, hein. Genre, il joue avec... après une partie de mon coup. Ouais, 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 bon. Ah, je pourrais t'avancer. Donc, tu te mettrais à portée. Le sera. De ce rat. Mais de toute façon, il pourrait pas t'attaquer parce qu'il claquerait tous ses mouvements pour arriver jusque là. Bonjour, bonjour. Hop, esquivé. Ah mais si, en fait, c'est un move leur truc. C'est pas tout leur move. Ah, ça se déplace bien, hein. Non mais t'es sérieux, ça se déplace d'autant. Oh, je vais prendre une... je vais encore prendre une caisse. Pas mal pour un manuel. Ok. Il y a un truc intéressant à jouer là. Hein. Je dis, il y a une petite gifle de groupe qui se perd là. On s'est pas perdu bien loin. Le voleur, de toute façon, on le laisse tout seul, c'est un connard. Hein. Tout le monde s'en fout du voleur. Le nain, il a deux cases de déplacement. Salut, je suis le ranger de Loubet. Ça, c'est un rat de compète, vas-y, fous-moi. Et voilà. 4 mois ça, qu'on en parle plus. Et il a empoisonné, mon gros. Non. Et ben ça c'est de l'appétit, mon gars. Ma sorcière elle peut faire un petit tir groupé là. C'était joli. Bien joué, ma fille. Mon elfette ne peut que se friter au corps à corps. Ce qui est suffisant pour exterminer une vermine. Attends, il y a une vermine qui a pas encore joué. Qui est là. Ah oui, parce que je peux même pas tirer sur une boîte, je peux vraiment rien faire. Ok. Je commence à croire que le nain a raison. Aussi. Autant de ce rat. Oui, on va te garder dans ce sens-là, très bien.
L'assassin. Le DPS du groupe, quelque part. Allez, rends-nous fiers. Tu as été impressionnant, mon gars. Ça suffit, oui. Vous êtes insupportable. Du soin. Est-ce que tu peux soigner à distance? Donc tu soignes forcément au corps à corps, c'est ça. C'est ça les embrouilles. Alors ça, ça va jouer. Oui, parce qu'il y a des trucs qui vont jouer, même s'ils ont genre un PV, ils vont jouer quoi. La crème. Comme ça, tu joues pas. Oui, comme ça, admettons. Alors, tu la vois mon énergie avec astrale, les rookies, non ou ça se passe comment? Hop là. Rends-nous fiers. Ah, voilà. Pas terrible. Pas terrible. Ah, si, si, c'est joli, mais c'est pas décisif, quoi. Maître nain, tabasse. Prends ça, face de l'autre. Exactement. Tabasse et support. Dégage, t'es sur mon chemin. Oui, ils essayent vraiment de taper tout ce qui a pas d'armure en fait. Oh. Ok. Enfin, tout ce qui a pas d'armure et pas de PV. Enfin, en gros, tout ce qu'ils peuvent buter quoi. Le prochain à jouer, il restera là à jouer et après c'est la fin du tour. Donc celui-là, il va voir plus loin si on y est. Hein. C'est-à-dire dans un autre monde. Alors, ma magicienne, ce qui serait bien, c'est que tu te soignes. Plus que soigner toute autre personne. Je suis d'accord. Non, c'est bien que tu restes un peu dégagé de cette situation. Ça me va. Attention, les rats, ça mange les livres. C'est pas le moment de notre vie où on fait. Est-ce que ça me donne un bonus en dégâts? Ta-ta-ta-ti-ta-ti-ta-ta. Non, non, ça donne pas de bonus, c'est juste vraiment pour pas être vu. Pas être engagé. Pourriture! Oh là là, ça lâche des pourritures communistes et tout, la totale. Ce rat va se relever et jouer. Il y a ce rat qui va bouger. Une torgnole. Je profite de son moment de faiblesse. Et il y a vraiment que moi qui cause pas d'attaque d'opportunité. Pourquoi j'ai une attaque d'opportunité si je viens là? Ah non, j'en ai pas. Si, tu me rassures. Quand même. Prends ça, mauviette. Le nain. Il y a littéralement deux cases de mousse maintenant à cause de moi. Mais bon, il a du PV comme personne. Hein. Bon, on va pas se mentir, les rats c'était quand même magicien, pas transpiré un niveau. C'était quand même plus cool que. Bah non non, je vais soigner personne. Hein. Allez, par contre on prend tout. Ah, on a récupéré un manque de bol. La vache, ils n'avaient pas prévenu qu'il y avait des rats gros comme des sangliers ici. Ah, le rat sanglier, le fameux. Le fameux rat sanglier. Ah bon, oui, la touche obscure, quel levier qui ouvre des passages. D'accord, mais je veux voir s'il y a d'autres bouteilles de pin de pinouche qu'on n'a pas tapé.
Ça n'a pas ouvert la porte du bout. La porte du bout du couloir n'a tout ouvert. Regardez, du pinard. Cool, il faut trouver des crânes d'ennemis pour boire dedans. Mais quelle horreur! C'est comme ça que boit Chrome. Mais ça doit couler par les trous des oreilles. Du château Trouillac. C'est un grand cru. Il y en a pour une fortune. Faudra faire gaffe à rien casser alors. On pourrait la garder pour nous. C'est pas très honnête. Richesse et honnêteté sont des concepts peu fongibles. On peut s'en désoler, mais le constat est là. Moi, je préfère la bière, mais bon, on pourrait le vendre. Bon, on va déjà sortir de cette cave misérable, on verra après. Ok. Caisse de château de Trouillac. Ah. On n'a pas ce qu'il faut. Maintenant, il faut aider Mitrandir, hein, Gandalf. Sûr, y a c'est pas... important ah, si, c'est de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Et des Mitrandir, c'est à gauche. Bon, après, on peut toujours faire un petit tour à la boutique, là, vite fait. On fait des petites emplettes. On lui casse la gueule encore. Discuter. Bonjour. Eh mais, vous n'êtes pas la vendeuse habituelle? Non, elle est en arrêt maladie. Elle a glissé. Glissé sur le poing du barbare. Ouais, elle s'est pété la face. Du coup, je la remplace, je suis intérimaire. Et la sécurité a été renforcée. La sécurité contre les glissades? Ok, elle est très spécifique. Ouh, elle vend du stuff. Ah, elle vend du vrai stuff, elle rigole pas. C'est pour qui? Ah, c'est pour le... En plus, c'est pour mon voleur. Oh, elle me vend des choses. À 80 balles, c'est dans la poche, hein. L'argent doit circuler. Bac de puissance d'Acutrus. Anneau appartenant à la sorcière éponyme, issue d'une famille nombreuse de 5 frères et 2 sœurs. Elle rejoignit le sanctuaire de Zinch à 12 ans pour les fumer ces bâtards. D'accord. Ok, ça lui ajoute du dégât magique. J'espère que ce sera un investissement utile. Un arc passable de correction. Genre le barbare peut s'équiper d'un arc. Le chef. C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or. Bandoulière novice d'aventurier. 3 emplacements. J'achète. Non, pas mon or. Non, souffrance, excellent. Des bottes de l'exécuteur. Hein, le voleur doit posséder une compétence passive pour équiper cet objet. Ah, c'est la version lourde. Ok, c'est la version armure lourde. Pour l'instant, j'ai pas débloqué bouclier solide protecteur trademark. Le ranger doit. Ah, c'est pour le ranger, c'est pas pour le nain, d'accord. Bracelet de coureur de fond utile pour fuir une dispute conjugale ou un troll en colère. Sprint 3, mouvement moins 1. Je suis pas forcément fan. Ou alors vraiment, je le mets au nain, comme ça il a vraiment plus aucun mouvement. C'est parfait. Ah, quoique oui, c'est parfait. Parce que là, actuellement, il se déplace de 2, c'est devenu impossible et intenable. Donc faudra vite. Ouais, je sais pas. Ceinture de cumul. Placement 2, points de vie. Oh, il constite. Hein, non, mais vas-y. Oh, mais elle vend des trucs. Oh, elle vend des choses. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant ce qu'elle dit, la madame. Hein. Je sais pas ce que j'ai. Je lui prends. J'ai le budget. Cantelet de maraude sauvage. On n'a pas le niveau. C'est pour qui ça? Ranger. Talisman scapulaire de charisme. Charisme 2, résistance magique 2. C'est pas mal ça. Pour tout le monde. Ok, c'est cool. 2000 balles. Ah oui, c'est cool. Tunique elfique. Tunique elfique souple. Elle peut l'équiper. Allez, c'est acheté. Voilà. Ah, on pouvait comparer en bas. J'ai pas regardé. Je suis vraiment le pire. Ton arc passable, ton arc actuel il fait du 10-17, là on va passer sur du 15-22, c'est très ok. Excellent! Je l'équipe. La ceinture de cumul. Ceinture de cumul, plus de points de vie, plus de constit. Faut que je mette ça sur un guerrier. Genre par exemple. Ah oui, j'ai choisi de lui mettre de l'esquive. Ah non, pas. Et mes poches! Ok. On touche pas à mon or, c'est mon précieux!
Toi, je t'ai mis de l'armure, malus de mouvement. Ouais, je t'ai un peu tapé dessus très fort. Alors que finalement, je pourrais te mettre ça. Je te taperai un peu moins fort dessus. Il y a quoi notre ogre? Oh, il y a de la merde. L'ogre. Youpi. Ça, c'est un ogre qui est heureux. Tiens, prends une saucisse. Un ogre très heureux. J'ai oublié de te soigner d'ailleurs. Voilà. J'ai. C'est le foutoir là-dedans. J'ai un emplacement 3. Ça s'équipe. Emplacement 3 sur lequel je peux rajouter une saucisse. En emplacement 2, bien sûr. Et et le brocoli de semi-homme. Guérit de l'état empoisonné. Petite potion de soin 3. Allez, ça te juger. L'elfette. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Mais t'as même pas de poche. Oh, c'est pour ça moi. Qu'on a oublié de lui dire. Merci. Voilà. C'est bon. Elle a une armure. Je suis bien contente avec ça. Et elle est heureuse. Toi t'as déjà un super anneau. Voilà. Petit anneau de sorcière en emplacement 2. Parfait. Ça la remet tout de suite d'aplomb. On a un niveau à passer sur elle au passage. Le jeu est en train de me dire, mec, il te reste des arcs. Il te reste des trucs. Ah oui, mais cet arc là était strictement réservé au ranger. Bah non, je peux lui équiper. Bah équipe-toi d'un arc. Je sais pas trop à quoi ça te servira dans la vie, mais admettons. Ceinture délabrée, de toute façon il ne me reste plus que des ceintures qui donnent de l'esquive. Arbalète qui file la gangrène. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Oui. Équipe une arbalète sur toi. Je donne rien à personne. Il est parfait. Il ne connaît aucune faiblesse. Est-ce que tout le monde a au moins une ceinture délabrée ceinture à boucle. Ah non, t'as une boucle classique merdique pourrie. Mais non, c'est une blague. Si, équipement actuel, esquive ok, c'est bon. Est-ce qu'il reste de donc toi t'as un truc à deux emplacements. J'ai t'ai mis un truc à deux emplacements. Et toi tu as une ceinture toute pourrie de base, donc on va prendre une ceinture. Pas une ceinture. Il restait pas une ceinture qui donnait de l'esquive. Ah non. Je m'agourais. Ah sorry. Sorry. Dans les choses très importantes. Lire. Le démonogue manque de bol, prend un malin plaisir à influencer le chaos pour créer ces petites catastrophes quotidiennes dont il a le secret, faire tomber la tartine du mauvais côté, dévier un jet d'urine au mauvais moment, faire tomber la pluie quand on sort du travail. Il ne se spécialise pas dans les grands cataclysmes qui sont le fait des dieux plus puissants et plus méthodiques. Manque de bol préfère nous pourrir la vie en permanence et il y excelle. Ah ouais, tu m'étonnes. Oh. C'est du génie. Attends, t'as tout ça dans la même journée. Imagine les trois mauvais coups dans la même journée. Terrible. Terrible. Madame, juste commercer et vendre. On aimerait se refaire quelques piécettes de thunes. Est-ce que je peux vous vendre genre deux bombinettes? Des bottines d'elfes? Ah oh, putain, ça vaut rien. Putain, les frocs elfiques, ça vaut que dalle. Putain. J'ai envie de dire à ce stade-là de se balader à poil. Hein. Allez. Des bouteilles de Boulgourville. C'est vendu. Le coteau de. Ouais, les trucs qui pourrissent le charisme et tout. On en garde une pour le plaisir. Vraiment, c'est vraiment histoire de pas vider l'inventaire. Et on n'a plus rien. Hein. Des bières du donjon, vends-en une. Voilà. On reviendra quand on aura 2000 balles. Parce que ton anneau, il est. Mince, je suis passé en voleur style. C'est lui que je veux. On l'avait pillé derrière, hein. Ouais, on a tout cassé. Hein. Avec leur rouleau de PQ et tout. Ils sont prêts pour la crise. Bon, il nous reste quelques minutes. Ça peut être intéressant comme ça peut dégénérer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Accès à un autre endroit. Mot de passe. Facile, c'est... Mandoline. Sinon, une arbalète, ça peut faire de la musique. Ah, punaise, non. Mais qui sont chiants, ces deux-là? Vous êtes nuls.
C'est Maracas. C'est bon, entrez. Oh là là. Allez, on se garde la baston pour le prochain épisode. Hein. Des bisous, c'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming pour l'amulette du chaos, donjon de Nullbuck. Surtout petit pouce hein, en l'air, hein, partagé. Hein. Alors, je sais que c'est peut-être pas les meilleurs épisodes du monde, mais ce jeu en vaut le coup. Ce jeu en vaut la peine.